Bien, moi aussi, c'est une question de présence, mais ce n'est pas par rapport à M. le maire. Je me demandais si vous pouvez me renseigner au niveau des jetons de présence. Oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Encore. Est-ce que c'est pour assister aux assemblées ou aux comités? Aux assemblées. Aux assemblées. Parce que moi, je suis allée un petit peu me promener sur Internet, sur le site de la ville, puis je suis allée voir les présences de monsieur, les conseillers, les madames et les conseillères. Alors, je me rends compte qu'il y a des conseillers qui sont sur, ben, sur un comité qui ont des absences. Exemple, si vous avez 10 comités, 10 comités assistés, ben, il y a 10 absences. Alors, d'autres qui ont des comités, exemple, sur l'environnement. Exemple. Pardon? Exemple. Exemple. Sur 4 comités, il y a 4 absences. Alors, est-ce que ces gens-là sont pas intéressés à assister à ces comités-là? Est-ce qu'ils ne devraient pas être changés de comité s'ils ne peuvent pas assister à ces comités-là? Parce que je me dis, comment font-ils pour prendre des décisions s'ils ne sont pas présents? Je remarque, M. Quentin, sur le comité exécutif, 10 absences. Monsieur Quentin pourrait vous répondre. Est-ce que c'est oui, parce que vous n'êtes pas oui. payé? Je m'excuse, Mme Lajoie, Mme Monsieur Quentin va vous répondre. J'ai pas fini. Votre question, c'est par rapport à M. Quentin, vous répondre. Oui. Parce que vous venez de mentionner quelque chose qui est totalement faux. Je suis observateur sur le comité exécutif. J'ai cessé de me présenter le jour où je me suis fait dire que j'étais observateur, que je n'avais pas de droit de parole. Alors, comme observateur, je ne fais pas partie du membre, je ne fais pas partie du comité. Si vous ne faites pas partie, je m'excuse, mais c'est ce qui est sur le site de la ville. Et vous irez voir vous-même, là, puis vous avez 10 absences. Alors, je vous le demande, parce que je suis allée voir, parce que je ne vous aurais pas mentionné si j'avais su que vous aviez été seulement observateur. Je m'excuse, mais c'est le site David qui nous donne des pour-enseignements. J'ai apporté des précisions. C'est bien, merci. Mais je vais aussi aller vers M. Savard, qui, sur le comité de l'environnement, il y a aussi 4 absences sur 4 comités. Alors, je me demande si ça ne l'intéresse pas, M. Savard, pourquoi il ne change pas de comité? Parce que comment on peut prendre des décisions? Madame Lajoie, M. Savard veut vous répondre. Comment peut-on prendre des décisions? M. Savard va vous répondre, Madame Lajoie. Comment peut-on prendre des décisions si on n'est pas présent? Désirez-vous une réponse de l'environnement? Désirez-vous une réponse de ma part? Oui. Le choix qui avait été décidé à ce moment-là, c'est le choix du maire de me placer au comité d'environnement. Malheureusement, par rapport aux heures et le conflit travail, je ne pouvais pas être disponible, mais on a laissé mon nom sur le comité d'environnement. Ça fait déjà plus qu'un an, M. Savard, que vous êtes sur le comité. Vous savez très bien comment que ça peut fonctionner, un horaire de travail aussi, famille et suite. Cependant, pour le comité d'environnement, dès le départ, j'avais d'autres comités qui avaient été de mes premiers choix, puis le maire avait décidé de mettre mon nom là en même temps que substitut. Il n'y a pas d'objection. Bien, je peux vous dire que Mme Charbonneau avait des comités, puis elle s'est décidée. Mais parlez-donc des comités qu'on fait. De ces comités-là parce qu'elle n'était pas présente. Parce que j'avais des conflits d'horaire. Pardon? J'avais deux comités en même temps, fait que je me suis décidée sur un des deux. C'est ça, puis je suis d'accord avec vous parce qu'au moins c'est franc. Mais des gens qui sont nommés sur des comités et qui n'assistent pas à leur comité, bien. Je trouve que ce n'est pas correct parce que vous prenez des décisions qui ne sont pas éclairées quand vous n'êtes pas là. Puis l'environnement, je pense que c'est très important. Je suis d'accord. Je pense que tous les comités, Mme Lajoie, sont très importants. Pardon? Tous les comités sont très importants. Tous les comités sont très importants, mais l'environnement aussi. Alors, je demanderais, moi, à la Ville... Si on a des arbres puis on n'a pas de gestionnaire au niveau des finances, je ne pense pas que ça va aller si bien que ça. Mais je demanderais à la Ville que si M. Savard n'est pas présent à son comité... qu'on le change s'il n'est pas capable de se tester comme... Votre demande va être notée, Mme Lajoie. Je vais appuyer la demande. Merci. De vous devriez prendre... Parfait. Vous devriez prendre... regardez, M. Bessette, il y a 0 absence. C'est noté. Merci beaucoup.